Nigi est une société de conseil, de design et de technologie qui accompagne de l'idée à la réalité la transformation numérique des entreprises multinationales, nationales, mais aussi régionales. C'est une entreprise que nous avons créée à Rennes en 2001 et nous nous sommes depuis développés à Paris, bien évidemment, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes et à Lille. Et l'entreprise compte actuellement 850 personnes. Nigi est présente à Lille parce que nous sommes très attachés à nos implantations territoriales. Et on a choisi Lille parce qu'on a ici beaucoup d'enseignes dont on savait qu'elles allaient devoir se transformer autour du numérique et qu'elles constitueraient pour nous des cibles de clientèle idéales. Nous étions depuis le début à Eura Technologie, où nous avons progressivement poussé les murs. On finissait par y être à l'étroit. Du coup, nous avons cherché à nous rapprocher des gares, Lille Europe et Lille Flandre. Nous avons flashé sur cette vieille orangerie réhabilitée et nous nous sommes dit que ça pourrait devenir facilement la maison de Nigi à Lille, dans son jus, et que nous pourrions allier les matériaux traditionnels, la brique, le bois, le fer, avec des matériaux et des couleurs plus contemporaines à l'image de Nigi, et faire à quelque part quelque chose de très identitaire. Nous avons pensé que ceci serait gage d'attractivité pour recruter et de convivialité et d'efficacité aussi pour nos équipes. Il y avait un magnifique projet de création collaborative et nous en avons profité pour associer pleinement nos équipes qui sont venues de nombreuses fois participer avec l'architecte aux discussions. Donc ça a été un projet extrêmement fédérateur. C'est important pour nous d'ouvrir pour la première fois ces locaux au monde extérieur, à nos clients, à nos partenaires, de les faire connaître, de faire savoir que Nigi est arrivé dans cette partie de l'île et de trinquer au succès de la nouvelle étape de développement de Nigi dans ces locaux.